À l'issue de la finale départementale dont vous étiez vainqueur, oui. Voilà, on aurait appris il y a de cela quelques minutes au niveau de notre rédaction ici à Gouron, oui. Que finalement l'AFC Nyakunda a porté réserve sa mort. Vous avez des éclaircissements là-dessus? Effectivement, comme on a reçu le PV signé par le président, uh-huh. Ils disent que lors du match, Nyakunda avait porté réserve contre l'AFC Diarama. Je viens de rencontrer l'encadrement même de l'équipe. Uh-huh. Moi, je leur ai dit que maintenant, bon, comme que le journaliste m'a appelé pour s'expliquer. Uh-huh. Mais par contre, ils ont tiré réserve contre le joueur. Uh-huh. Un certain, c'est comment il s'appelle? Allô? Un certain Ismaël Mané. Uh-huh. Mais en réalité, Ismaël Mané a joué avec la licence cadette. Oui. Alors, quand le capitaine avait voulu récupérer, retirer l'enfant, le joueur, oui. Et par l'entraîneur a dit que lui, il maintient. Oui. Donc, c'est par là qu'ils ont passé pour tuer réserve. Oui. Ouais, donc, Diarama assume ce qu'ils ont fait. Pardon, vous dites Diarama? Assume ce qu'ils ont fait. Ah ouais ouais, donc vous assumez votre faute? Ah non, on assume notre faute parce qu'on a été averti. Ah ouais, ok. Ouais. Et là, vous souhaitez que les choses s'arrêtent ici, vous ne ferez pas de, comme vous l'avez dit à l'entame, vous ne ferez pas d'appel? Non, on ne fera pas d'appel, on ne fera rien parce que bon, vous savez, dans le département, mm-hmm. Nous, là, c'est Diarama avec toujours Dieu. Dans l'harmonie, dans la discipline, dans le fair play. Oui. Mais quelle que soit l'ampleur de, quand même de l'affaire, oui. On reconnaît notre faute, donc je pense que pour tirer à la longue certaines choses, ça n'a pas de sens. D'accord. Oui. D'accord. Donc nous-mêmes, on est fautifs, c'est le fait. Oui. Parce que les gosses disent qu'ils avaient 6 milieux de terrain. Oui. Qui pouvait jouer le rôle de ce dernier. Donc d'accord. Si l'entraîneur dit qu'il maintient, il maintient. Aujourd'hui, les gars, finalement, l'affaire est ressortie comme ça. Donc on donne raison à la commission départementale. Donc vous allez restituer le trophée sans problème? Non, sans problème. On va restituer tout ce qu'ils ont demandé d'être restitué, on va le faire sans problème. Et vous allez restituer ça quand? Bon, en tout cas, on va se réunir aujourd'hui. Je sais qu'au plus tard, peut-être demain, on va restituer la coupe de l'année. Une triste nouvelle et on est en train de voir, je sais pas, on voudrait se réunir ce soir-là pour voir que ça la réaction de la population, mais quand même, d'emblée, même les vieux aussi sont pas du tout d'accord par rapport à la question. Mm-hmm. Bon, on suppose que c'est un complot qui a été donc commandité par nos proches, même peut-être des gens quelque part qui sont pas contents de notre victoire. Donc, par qui vous dites? Non, peut-être, bon, parce qu'on nous a dit qu'au niveau même de l'ODECAO, parce qu'on avait, avant la demi-finale, on avait déjà des problèmes. Quel problème? Non, on avait beaucoup de problèmes, parce que même compte tenu de notre match contre Sénéfarma, mm-hmm. Le match jusqu'à le sous-préfet avait pris l'arrêté de suspendre le tournoi au niveau de l'arrondissement de Tanaf. Mm-hmm. Parce que par rapport au tir au but qu'on avait affecté, l'arbitre a donné le carton sans pourtant, soit en disant que seul le joueur a dit, le gardien a dit à un joueur, tire, je prends. Et là, il a donné le carton rouge. Et vous indexez qui? Bon, non, de toute façon, nous indexons la jeune de notre au niveau. En tout cas, le problème, c'est au niveau de notre arrondissement, même que les gens ne sont pas. Dans tous les cas, je pense bien qu'on ne peut pas dicter le nom de quelqu'un, mais on sait que le problème, c'est entre nous ici.